Hop. Parfait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop, je fais tous les réglages. Et on est good. Comment ça va? Alors, je vais m'entendre un écho peut-être? Oui, exactement. Ok, on va attendre 2-3 minutes. On va créer le monde pendant ce temps-là. Premier épisode du coup de... Enfin, épisode premier live. Salut, salut. Lire. Faut que je me penche pour lire le pseudo parce que c'est pas... C'est craint petit, hein. Comment ça va tout le monde? Donc, on a perdu l'hardcore il y a 2 jours à cause d'un golem de fer. Donc la hardcore vanilla. On va commencer un mode pack aujourd'hui. Better Minecraft, Fabric Edition. 1.18.1 ou 2, je sais plus, je crois 1.18.1. Donc on a du petit monde, vous arrivez au début de l'aventure. Donc on va commencer par créer le monde. Je viens de faire un test, voir si tout fonctionnait. Et tout fonctionne. Donc comme ça c'est good. On va se mettre en... On va pas se mettre en hardcore déjà, parce que bon voilà, un mode pack en hardcore c'est vite fini en général. On va se mettre en hard, histoire qu'il y ait un petit peu de challenge, mais que si on meurt, ce soit pas trop punitif. Voilà. Donc, je vais juste baisser un tout petit peu la musique de Céleste. Voilà, super. Donc, je laisse me dire hein, si tout est bon, évidemment, niveau réglage, niveau quoi que ce soit. Hop. Voilà. Salut, ça fait longtemps. Salut, salut, ouais. Ça fait un bail. Ok. Bon. On va commencer. Alors, survie, hard. Je mets toujours les cheats, mais c'est au cas où. Mais je les utilise jamais. Hein. C'est vraiment pour éviter de faire open to LAN si jamais on a un problème. Les connaisseurs savent. Datapack. Goblin Trader, Goblin Vanilla. On n'est pas obligé de le mettre. Je sais pas trop à quoi ça correspond. On va laisser comme ça pour l'instant. Si jamais tu vas faire une série. Alors non, ça va seulement être en live. Et ce sera live de temps en temps. J'essaierai d'avoir un planning un peu régulier pour la série. Parce que s'il y a des gens qui veulent suivre ça, ça peut être intéressant. Pareil, s'il y en a qui loupent un passage du live ou qui loupent un live carrément, il y a les rediffusions qui sont mises sur le Discord qui est dans la description. Salut mec, je te suis depuis Railcraft. Super, super. Ravi de voir qu'il y a encore des gens abonnés à la chaîne après 2 ans. Ok, alors on va laisser tout ça comme ça. Ouais. On doit avoir certainement des nouvelles game rules avec les mods, mais on va laisser comme ça. On va... Ah, j'ai fait cancel. Oh, chier. Ok, on l'appelle comment le monde? Vous avez une petite idée ou pas? Better Bouettecraft? C'est nul. J'écris bouette en plus. Hop. Voilà. Better Bouettecraft. C'est immonde. On a déjà 10 viewers. Excellent. On a déjà battu le record des lives de l'autre jour. Ok. Bon. On va partir comme ça. Ça devrait le faire. Donc j'ai déjà joué un peu au mode pack. Je le connais un petit peu, je connais les bases. J'étais pas encore allé dans l'End, mais j'étais allé un peu dans le Nether. Et c'est juste magnifique. Je prenais des screens toutes les 14 secondes à peu près, parce que vraiment, c'est juste très très beau. Hop, je regarde juste. Ok, non, c'est... Tout va bien. Hop. Ok. Chibette. Je suis bête pour le nom. Ah, trop tard, malheureusement. Oui, c'est vrai que je vous ai demandé le nom, mais j'ai créé juste après, donc ce sera Better Minecraft. Voilà. Ok, alors, je me suis mis les musiques de Céleste en fond, parce que c'est des petites musiques sympas. Si jamais vous avez des idées de musique, n'hésitez pas. Des musiques de jeu de préférence. Hop.
Bon, c'est assez long par contre de créer un monde. Hein. Et je sais pas du tout si ça bug pendant que je crée le monde, mais en tout cas, si j'ai une voix de robot, je m'excuse. À pouvoir commencer. J'espère qu'on va être dans un bon spawn. Bien sympa. Pour pouvoir commencer notre aventure tranquillement. Ah. Ok. Alors. Ouf. Wow. Ok, donc déjà, de ce que je vois, c'est qu'on a des arbres avec des feuilles. Des feuilles qui font laguer. En général, les feuilles comme ça, ça fait laguer. J'espère que ça va aller. Hop. Je regarde le retour du live pendant quelques secondes, hein, histoire que je vois si tout fonctionne. C'est bon, on a déjà une massive structure de fou, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un bateau pirate, et ici, on a ce qui semblerait être une carcasse de dragon. Et oh là là! On a un gros moulin, là-bas. Bon. Je connais là une partie des modes. Je connais pas tout du mode pack. Hein. Mais j'ai joué un petit peu et je me suis bien amusé dessus. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en live. Ah, c'est quoi ça? Des crabes. Donc on a des... on a des slimes. Hop. Qui nous donnent des échelles apparemment. Drôle de slime. Et donc oui, comme on est en 1.18, on a les grottes de la 1.18. Vous voyez qu'on a la génération magnifique de l'1.18. Oh, on a un beau lac ici. Waouh. Alors, je me rappelle plus comment le bois il se coupe. Si les arbres ils tombent d'un coup, s'il faut les. Faut les faire bûche par bûche. J'espère que c'est pas trop embêtant à casser. Tac. Ok, bon bah tout a l'air bon sur le live, je vais le fermer, hop, comme ça, je vais laguer un peu moins, et voilà, parfait, tac, comme ça je peux voir tous vos messages, je peux voir ce que vous dites dans le chat. Ah oui, j'ai un livre au fait, j'ai même pas regardé ce qu'il y a dedans. Birds, Mammals, Reptiles, Aquatic Creatures, Insects, c'est quoi, c'est un Pokédex, un truc qui nous donne des infos sur les animaux. Oh, il est mignon lui. Cotton Bird. Il ressemble à moi. Cotton Bird. Oh. C'est quoi, c'est un ratel ou c'est un... Une sorte de... Ah. J'ai cru qu'il m'attaquait, tout va bien. Excusez-moi. Ça... C'est comme ça les modpacks, hein. Je connais pas tout. Alors dès que je vois un truc inconnu qui me fonce dessus, j'ai peur, c'est normal. Ne m'en voulez pas. Putain, mais elle m'a sauté à la gorge en même temps le truc. Ah, on a des fast leaf decay. Les feuilles qui disparaissent assez vite, ce qui est assez pratique. Super. Ok, bon, on a déjà quelques spruce logs. Oups, on va virer ça. C'est une machine à lag, ce machin-là. Ok. Alors, on a des moutons. Je voulais voir le petit animal qui était là, voir ce que c'était. C'était un raton laveur ou une moufette. Je sais pas trop. Il était où? Un putois peut-être. Tu veux quoi toi? Badger. Ah, il me semble que Badger c'est un animal. Ah, porc épique déjà. Est-ce qu'il nous éclate lui? Non? Gentil. Ok. On va explorer un petit peu. Hein. La forêt est jolie, autant en profiter. Puis on va s'établir hein, tranquillement. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez, on a un petit étang ici. Waouh. Donc j'utilise le shader comme à mon habitude. Comment il s'appelle? Complementary shader. Oh, des petits raisons. Il y a des trucs un peu par terre. Donc je regarde un petit peu hein, si on n'a pas des... Oh, oh. C'est un ours ça, hein. Ouais, on va éviter. Putain, je vais foncer dessus, la vache. Oh, y a un... Ah, c'est avec les bébés, il faut faire gaffe, je crois. Hein. Putain, j'ai déjà crié deux fois en 4 minutes, c'est quoi ça? Donc, je regarde un petit peu hein, si on n'a pas des structures dans le coin.
savoir où on s'établit, évidemment. Waouh! Oh, la vallée, incroyable. Regarde un petit peu par là. Tac. On a de la pierre ici. On va commencer à se faire un petit peu des outils. J'ai envie de me balader au moins avec une épée en cobble. Hop. Donc, faut que je regarde un petit peu à pas me faire attaquer, évidemment, parce que j'imagine qu'il y a des trucs aussi pas très gentils dans les animaux, là. On a déjà vu des ours. Un beau biome ours. Tac. J'ai fait une pioche, mais je voulais faire une hache. Mince. Qu'est-ce que c'était ça que je voulais crafter, là? Ah, c'est infâme. La souris est bizarre. Allez, go faire une pelle, hein, écoutez. Ok, donc là on a de l'eau. Très observateur. Hein. On a un rat qui se baigne. Ok, on va faire un petit peu le tour et ensuite on va certainement se poser en haut de la montagne. Pas loin des ours, comme ça on va se faire tuer assez facilement. Et ce sera super. Aïe. Je sais pas si on peut les adopter, les ours. Ça m'étonnerait, hein. Ça va être comme les ours polaires, je pense. C'est juste. Tu les vois, t'as peur et. Et tu cries. 2, 3, hop. Donc je tiens à préciser que c'est pas un speedrun, hein, on va juste... Oh, des carottes. Non, c'est des oignons, ça. C'est pas un speedrun, on va jouer tranquillement. On va se... Oh, une maison. Alors, est-ce que c'est une maison avec un mob méchant dedans? Plus la maison est jolie, plus il y a de chances que ce soit un mob méchant dedans. La maison est assez jolie. Est-ce que ma théorie est vraie? The good place. Ah. J'entends quelqu'un qui marche. Ah! Y'a quelqu'un? Bon, bah, et écoutez, on a déjà une maison. On l'a construit vite, hein. Le coffre veut s'ouvrir, merci. Hop. Du pain, on a. Ouh! Exploration map, buried village barrel. Du petit loot, ça peut être sympa. Rosebush, on va les mettre devant la maison. Bon, alors on va méchamment voler la maison. On va set notre point de spawn déjà. J'entends un truc qui marche dehors, je crois que c'est un cochon, mais on va jouer safe. Obsidian Alibut, go fish. On a des poissons apparemment qui sont ajoutés avec le truc. Hop. Salut Amir. Alors, table de craft, c'est good. On va virer l'herbe, hein, qui est chez nous quand même. On a un campfire, ok. Ouais, franchement, bien jolie cette petite maison là. C'est un truc comme ça que j'aurais construit de toute manière. Donc, Aïe. Ils font mal eux, dis donc. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert là, le gel qu'on récupère. On va regarder ça. J'ai juste vu une créature assez chelou, j'ai pas envie que... Non, c'est juste le cochon, ok. Ok, bon, on va se poser, on va regarder ce que ça fait le gel. On en a déjà un petit peu. Hop. Il nous faudrait des torches aussi dans cette maison parce que j'ai peur que ça spawn là, la nuit. Ouais, ça va certainement spawn. Alors, ah bon, on peut en faire des torches, parfait. On va pas aller plus loin. On peut faire avec le verre aussi? Non. Que avec celui-là, d'accord, ok. On va éclairer un petit peu chaque pièce. Donc c'est là 1.18, alors on a le nouveau type d'éclairage. Tout là on a une lanterne, donc c'est déjà éclairé, c'est super. Voilà. On va prendre le coffre et on va descendre. Tac. Ok, alors on va poser un petit peu nos trucs. Allium. Je crois que c'est quand on récupère les oignons qu'on a de ça. Ouais. On pince au moins, ok. On va planter les roses. Tac. Voilà, parfait. Joli. Donc on est en face de l'océan. Est-ce qu'on a des trucs dedans? On a des drone-aides. On va plonger un peu, on va regarder. Oh, c'est joli, hein. C'est quand même bien joli, hein.
Bon, j'imagine qu'il y a aussi des poissons pas sympas qui sont rajoutés avec le go fish. Ah! Ah putain, il fait vachement de bruit pour un mec qui est loin. Ok, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose sous l'eau. Ce qui me rassure un peu, mais. Hop, il va nous falloir de la nourriture, hein. Je suis en train de penser que là on est assez short en bouffe. Ça donne quoi les oignons quand on les mange? Hein? Ok. On peut en faire quelque chose? Oh! Ah oui, on a de quoi cuisiner là, il n'y a pas de. Ok, bah écoutez, on verra ça plus tard, hein, quand on aura plus d'ingrédients. On a une grosse montagne. On a des carottes. Ah! On va aller planter des carottes un petit peu chez nous pour faire des plantations. Il y a un iceberg là-bas. Ok. Bon, on va pas explorer un peu plus là. On va rentrer direct dans notre foyer. Ouais, elle est jolie la maison. Hein. Bien content d'avoir déjà trouvé une petite habitation comme ça. Il faudrait qu'on se fasse un petit quai devant la maison pour pouvoir sortir en bateau, parce que nager à chaque fois ça va être embêtant. Hop, parfait. C'est une grotte ici? On dirait bien. Allez, go dodo. Je sais pas trop ce qui peut spawn la nuit, on va pas tenter de découvrir. Je suis en train de voir au niveau musique. On a des musiques un peu violentes là, on va peut-être plutôt mettre. Ah, c'est bien ça. Alors j'espère qu'il n'y a pas de copyright dessus, mais musique Nintendo. En général. Ah, je viens de dormir, ok, c'est pour ça que je peux pas dormir. Ok, donc on a du bif. On va faire chauffer un peu tout ça là. Est-ce qu'on a un four dans cette maison? On dirait pas. Donc on va aller chercher de la cobble un petit peu. Faudrait qu'on répare ce plafond aussi. Hop, ok. Donc on a une grotte sous-marine, mais on va pas pouvoir trop faire grand chose. Donc on va plutôt essayer de trouver une entrée terrestre. On dirait pas qu'il y en a. Il y a d'avoir un cratère de l'autre côté là, je suis un peu curieux. J'ai vu un creeper. Ouf! Oh wow wow! Ah oui! Attends, j'ai pris une dérouillée la vache. Là il me faut du fer, je veux un shield pour éviter ce genre de phénomène. C'est un trident qu'il a? C'est un trident qu'il a, ok, ça dégage. Je me fais toucher, je meurs. Instant. Je tiens à prévenir. J'aime pas être dans cette position. C'est con, il y avait du fer en bas, mais on peut pas le prendre. Oh, bah parfait, il y a une grotte ici. Qu'est-ce qu'on a dedans? Rien du tout. Salut, des rares âgés. Ah, du feu, du charbon, parfait. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Vous arrivez pour ce magnifique début de série sur le modpack. J'entends plein de zombies là, c'est quoi tout ça? Il y a un spawner sous mes pieds peut-être? Éventuellement. Je me demande si on a une entrée quelque part. Wow, wow, wow. Attendez, c'est quoi tout ça là? J'entends de la lave. Donc là, il y a un lac de lave. Ok, c'est cool ça. Plutôt cool, plutôt cool. Je vais aller voir par là quand même ce qu'on a. Il y en a du chêne. On va prendre du chêne pour réparer notre plancher dans notre maison. Oh, ça coupe l'arbre d'un coup. Yes. Oh, yes. Ça y est, je vais couper du bois pendant 20 minutes. C'est trop kiffant de faire ça. Désolé.
trop joli avec les shaders. Ouais, j'ai juste des mini micro soucis de framerate, mais ça va. J'ai plus l'impression que ça se ressent sur live. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Je ne sais pas du tout comment régler ce problème. J'imagine que ça se gère au niveau de la bitrate, ou alors il faut tout simplement un meilleur processeur. Mais bon, avec les moyens du bord. Okay, on va se prendre assez de bois pour plus avoir à aller en chercher. Regarde la vitesse à laquelle... Tu me voles mes bûches, toi? Attention, hein, j'ai une hache. Wow, wow. Ok, donc lui, il a plein de bébés. On va éviter, hein. On va éviter de fou. Regardez les reflets que ça fait avec le shader. Et là, petit reflet. La calcite est magnifique avec ce truc. Donc le mode dégénération qui fait que c'est magnifique, c'est Teralis. Voilà. Pas grave tant que tu stream MC. Hop. Ouais, j'ai vu que ça plaît plus le Minecraft quand même que le... Ouh, damn. On a une grotte là. Certainement mourir si on descend. Après, il y a de l'eau. Donc potentiellement pas de monstre au sol. Mm-hmm. On va prendre un peu de gravier aussi. Du gravir. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est du... C'est une butte. 15 viewers, nice, nice, nice. Pour vous dire, le pic avant ce live, c'était... Attends, c'est quoi ça? Calcite, coal, or, oh, damn. Je pensais que c'était juste une texture différente, mais non. Le dernier live, on avait fait, je crois, le max, c'était genre 9 ou 10. Qu'est-ce qu'on a en bas? Ça a l'air safe. Il y a juste un mode. Ah oui, il y a un mode qui m'énerve, c'est celui-là. Vous voyez que je me mets en F5 et je peux me regarder en face. Et du coup, en fait, ça me tourne ma caméra quand je me remets à l'intérieur et c'est très chiant. Et je sais pas comment on désactive ça. C'est pour le coup pas un mode que j'apprécie. Ok, bon, on va explorer un petit peu cette grotte sous-marine là. On va pas explorer cette grotte sous-marine. C'est quoi ce truc? Il me voit de loin et il va vite. Il me voit de loin et il va vite, ça fait peur. Skeleton Creeper. Tu ne m'auras pas. Ok. Alors, c'est un creeper de mode, alors je sais pas à quoi m'attendre. Tac, j'ai joué au modpack, mais je me rappelle plus de ce... Je vais dégager immédiatement. On n'a pas de fer, hein. Il me suit en plus le bougre là-bas. Ok, bon, on va se poser au fond de la grotte et on va miner le charbon. En espérant ne pas se noyer. J'entends de la lave. Est-ce qu'on aurait une grotte de lave juste à côté? On va regarder ça. Ou est-ce que c'est le lac de lave? Non, le lac de lave, il était plus loin. On va regarder ça. Ah oui, on voit sur la minimap. Ah, c'est un peu du cheat la minimap quand même, pour le coup. Mais bon. Est-ce une potentielle série? Alors, je vais pas re-upload, hein, comme j'ai dit. Ce sera juste en live. Voilà, c'est pour ceux qui sont là et seulement ceux qui sont là. Donc, il y a les rediffs, évidemment, ceux qui seront mis sur le Discord si jamais vous loupez une partie. Mais... On continue comme ça. Ça m'évite de faire du montage et ça permet de vous parler directement en même temps que je filme. Ce qui est toujours très cool. Ok, bon, je trouve pas la lave. Donc on va dégager. Je crois qu'elle est au-dessus de nous. Hein. Allez, ressortir de la grotte. De toute façon, la nuit va bientôt tomber, je pense. Si on se terre dans une grotte bien, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, les grottes qu'on a, elles sont pas dingues. Cobble de calcite. Ça fait plusieurs mois que j'avais pas touché au modpack, c'est pour ça que ça m'a fait un peu du bien de reprendre. Alors, oui, du coup, le soleil est là.
Il nous reste à peu près 3 minutes de jour avant qu'on tombe dans l'obscurité et qu'on décède. Oula, hey, ça va les frames là? J'ai vraiment pas beaucoup de trucs d'ouvert sur mon PC en plus. Donc je pense que ça doit être ces machins là, les feuilles 3D qui font laguer. Je crois que c'est dans un des ressources packs que ça fait ça. Si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder vite fait. Donc je crois qu'on a plusieurs... Oula. Ok. Tac tac tac. Detail, extra. C'est où les ressources packs? C'est là, ok. No bushy leaves, ça je l'ai mis. Better leaves, je l'ai viré. C'est quoi celui-là? Je crois que le state roux, il modifie les feuilles. On va regarder vite fait ce que ça donne sans le state roux. J'ai pas envie que ce soit désagréable à regarder, c'est pour ça que je prends une petite minute. Salut Nexus. C'est Newton. T'as plus envie de faire du montage ou plus le temps? Bah les deux en fait. Plus que j'ai un taf, si je fais du montage, je vais vraiment y passer plusieurs heures. Et pour une vidéo de 30 minutes, passer plusieurs heures chaque jour, ou chaque 2 jours, ou chaque 3 jours, c'est beaucoup trop. Que là, je me pose pour un petit live tranquille, et puis on a beaucoup plus de contenu plus rapidement, donc je trouve que c'est le mieux. Donc ouais, j'ai viré le state roux, et c'est ultra fluide. On est à 70 fps avec les shaders dans un truc... Voilà. Bon, les feuilles sont pas méga, méga jolies. On voit à travers les arbres, mais c'est pas grave. Après tout, on voit aussi à travers les feuilles sur les arbres en vrai, donc... Des arbres sous terre ici. C'est beau, hein, la calcite et tout ça. Faut pas que je m'éloigne trop de la maison. On n'a pas grand-chose là-bas, mais bon. Si on peut rester dans les environs, c'est bien aussi. Je crois qu'on a une map. On va regarder. Alors, ça ne doit pas être ça. Ça doit être cette map-là. Ouais. Ok, donc la maison est ici. Nous, on est là. Je regarde un petit peu les environs, ce qu'on a. Donc ouais, on avait un phare là. Waouh, apparemment on a carrément tout un village. On a une île de pirates ici. Il faudra qu'on explore ça. Et on a en effet un gros squelette de poisson. Ah, et on a un village, j'ai loupé ça. On est loin du village. Je pense qu'on va remonter comme ça. J'ai juste envie de voir ce qu'il y a par là un petit peu. J'ai envie de faire le tour. Au pire, on fait le tour comme ça et demain on ira voir le village. On va faire une petite boucle. Je pense que ça peut être le mieux. Bonne chance pour les 10 000 abonnés. Il n'y a pas d'objectif, hein. Vraiment, là, maintenant, YouTube, je fais ça que pour le fun. On prend des champis. Mais oui, bien sûr, hein, si on peut atteindre 10 000, c'est très cool. 21 viewers, damn. Ouf. Ça fait peur, ça, ok. Ouais, bon, la nuit va tomber, on va certainement décéder. Je n'ai pas de shield, je n'ai pas de lit. Donc, on va vraiment se dépêcher de rentrer. Oh! Ok, c'est bon. On a la deep slate en couche 92, tout va bien. Dommage que les créateurs du modpack aient enlevé seeds. Seeds? Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un mode... qui rajoute des graines. D'ailleurs, en parlant de seed, je vous partagerai la seed de mon monde si jamais elle vous intéresse. Je ferai ça peut-être à la fin, vers la fin de l'aventure, histoire de pas me faire spoil sur les trucs qui est aux alentours, mais... bah ouais, écoutez, j'ai pas envie de mourir, donc ce qu'on va faire... c'est qu'on va gentiment se prendre un petit bateau. Hop. Je regarde juste combien de gigas j'ai alloué au truc. Donc j'ai alloué quasiment 10 gigas, c'est tout en haut à droite. Et on est à 60% de la mémoire, donc ça a l'air de se tenir. Ok. Il y aura peut-être des ajustements à faire pour le prochain stream, mais... Salut, Icaron. Icaron, je ne sais pas comment on dit.
Donc là, on va éviter la berge parce que... avec tous les squelettes qui traînent, ça va pas être dingue. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Quand je vous disais que je prends des screens tout le temps sur ces genres de trucs. Et c'est quoi cette lumière là-haut? On dirait une sous-lanterne. Une petite... petite lanterne. Allez, on va rentrer à la maison. 22 specs. 24 maintenant. Bienvenue tout le monde. On fera un petit quai. On va faire un petit quai un peu plus tard. On va laisser le bateau ici pour la nuit. Et on va rentrer dormir. Petit foyer là. On s'est bien mis. On va réparer un petit peu vu qu'elle... on vient de rentrer dans la maison. Elle est un petit peu délabrée par endroit. Vous voyez que... au niveau du plafond, on a un petit trou là. On va se faire de quoi le réparer. Voilà. On va ranger la paille correctement. Voilà. On nettoie un petit peu hein, parce que c'est poussiéreux. Et puis on a aussi une toile d'araignée aussi à virer là. On va se faire une épée. Hop. Donc ça, on peut en faire des sticks, il me semble, c'est ça. Tac. On n'a pas d'autre toile d'araignée. Non, c'est bon. Pareil, la cheminée, elle est un peu cassée, mais bon. C'est pas très grave. Hop. Donc on va garder ça. On va commencer un petit peu des plantations. Histoire de pas commencer à mourir de faim dès le deuxième jour, ce serait bien. Il va nous falloir un seau si on veut faire ça. Donc on va se faire un four. Même peut-être deux. Peut-être trois même. On n'a jamais trop de four dans une maison. Et on va les mettre... on va les mettre par là. Tac. Pareil, on va ranger nos tonneaux. Tac. Voilà. C'est quoi ça? Matrix Fish. Qu'est-ce que vous avez? 4 statues. End Crystal? Ah oui! Ah, ça déconne pas. Bon, on va regarder, hein. Écoutez, on peut se faire End Crystal si jamais on en a. Ça sert à quoi ça? C'est un bloc d'opsy, littéralement, d'accord. On peut se faire des petites. Oh, des petites plushies! Donc 2 poissons, 2 gunpowder et 4 laines. Ça nous fait une... D'accord, donc en fait on peut faire soit des statues en pierre, soit des peluches. Mob Scarecrow. Oh, ça peut être bien ça. Attendez. Comment on fait toutes les plushies? Il y en a beaucoup des plushies? On a les tortues, ok. Donc ça, il faut de la laine malheureusement. Ok, bah écoutez, dès qu'on aura tué quelques creepers et tout, on pourra se commencer à se faire des petites peluches, on pourra se faire une collection de peluches, ça peut être joli. Et on va commencer à ranger un petit peu nos affaires. Donc là, on va se faire un coffre à poissons et bouffe et ce genre de choses, je pense. On va juste faire chauffer celle-là. Hop. Ici, on va se faire chauffer notre fer. Oakfish. Qui ne sert à rien. Ah si, on peut le faire chauffer en charfish, donc du charcoal en fish. Et ça peut faire chauffer 8 items, d'accord. Donc c'est littéralement du bois en fait ce poisson. Potion de weakness. Oh! On va le garder, on pourra se faire des potions de weakness avec. Alors, je vais faire un truc tout de suite, immédiatement. C'est que je vais plus voir le nombre de viewers, mais au moins je verrai mieux le chat. Je vais faire ça, voilà. C'est un mode de gestion... de pollution délirant et ultra punitif, ils ont dû l'enlever car les gens près des grosses structures avec les fours. Je suis sûr que ça va avoir des gros problèmes. Mode pollution, d'ailleurs. Fais-toi un backpack le plus vite possible. Ouais, toujours malin ça. Bien joué. Les backpacks. Backpack. Je sais pas écrire back, j'écris big. Oh, attendez, on a l'ultimérite et ce genre de choses ou pas? Crystallite chestplate. Wow! D'accord. Aurora Crystal Shards. Damn. Thalassium Hammer. Ah oui. Bah, c'est moins bien que... Comment ça se fait ça? Thalassium.
Je vais être en mine raid. Oui, y a plein de trucs à rajouter dans le modpack, vraiment. Fais-toi un bouclier. Ouais, on va se faire, avec les 4 fers qu'on a eu, on va se faire un shield et un saut. Qui sont les trucs que je recommande, hein, vraiment pour survivre au début. Hop, voilà. Comme ça, on va pouvoir faire nos plantations, juste dehors. Hop, on va poser tout ça. Donc on va garder ça et on va aller planter ce qu'on a. On avait aussi une petite graine, je crois. Hop. Alors, où est-ce qu'on va se mettre pour faire ça? Touk, touk, touk. Ici, on se fera un petit escalier qui monte. Ici, on va aplanir un petit peu et puis on va se poser tout ça là. Les bagues pack. Bagues. Backpack. Backpack, c'est quoi backpack? Pourquoi quand je mets backpack, ça met une infusion table? C'est quoi le problème de jeu? Regardez ce qu'on a juste en pack. Ok, donc on a plusieurs packs. Baby pack, ok. Donc. Ah. Ah non, ok, d'accord. Donc le baby pack, il est nul. Si je comprends bien. On peut rien en faire et ok. Donc on va plutôt essayer d'obtenir 8 cuir. On va aller chercher des vaches bientôt. Et là, je peux comprendre, les backpacks, c'est essentiel dans ce genre de modpack. On a 100 000 objets par mètre cube. Tous les modes, de toute façon, qui rajoutent de la nourriture, qui rajoutent des... Comment ça s'appelle? Des fleurs, des trucs comme ça. Des minerais, des nouveaux blocs à casser, c'est... C'est encombrant de fou. Donc ouais, on va aller chercher de l'eau, on va planter nos trucs et ensuite on va aller chercher des vaches. Et ensuite on ira peut-être faire un tour au village, voir ce qu'on a. Donc on nettoie un petit peu notre maison, on a des feuilles sur le toit. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, on a le shield déjà, c'est potentiellement la moitié des morts qu'on devrait avoir en moins. Hop. On va faire ça tranquillement. Hop, donc on met une petite slab au-dessus pour éviter de marcher dessus. Voilà. Des petites carottes. Ah merde, je vais donner à bouffer. Bon bah t'es mon pote, hein, j'imagine. Comment on l'appelle? Le mec est venu, il m'a bouffé une carotte et il se casse. Bon bah écoute, soit, hein, tu m'as eu, bien joué. Ouais, du coup une fois des vaches, on va regarder par là. Peut-être comment ça s'appelle? Les ours donnent du cuir. Est-ce qu'on va chasser de l'ours sans stuff comme ça là? On a un shield après tout. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve une one shot et je vais regretter ma vie d'avoir fait ça, mais... Ah mais tu joues en version fabrique peut-être. Ouais, je joue en version fabrique. Totalement. Je crois que il y a plus de trucs dessus. C'est vrai que ça rend bizarre les feuilles comme ça, mais bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on n'est pas habitué. Imaginez que Minecraft a toujours été comme ça. Il n'y a plus les ours. On avait des grizzlies. Ah, ils sont là. Ok, donc. Comment on s'y prend? Si je vais à côté d'eux, ils vont être en colère. Ouh la vache. Ok, tranquille. Désolé les grizzlies, hein. Je tue vos parents. Tout va bien. Ouais, ils donnent du cuir, super. Vous allez me faire un beau sac à dos, les petits potes. Oh! Ah oui! Ils sont devenus super saiyans dès que leurs parents sont morts. C'est quoi ça? Vous êtes Batman ou quoi? Putain, la vache, ma hache. Elle est déjà totalement défoncée. Viens là! Il me bait là. Robert le cochon. Classique, le classique Robert. Hop. C'est vrai que les cochons, j'ai souvent envie de les appeler Ro quelque chose, genre Rodrigo, Rodriguez, Roberto.
Rob. Ronald. 9 cuir, c'est parfait. Allez, ça dégage. On rentre à la maison. Ah, oh, on a du fer. Il m'en faut un peu quand même. J'aimerais bien me faire une cisaille pour le pour les moutons. Est-ce qu'on a un pas d'autre? Ah, oh, la musique de Salisbourg, trop bien. Aïe aïe aïe. Ceux qui ont joué à Skyward Sword. Quel jeu de folie. C'est mon Zelda préféré. Ok, c'est un arbre. On avait qu'un seul minerai de fer. Bon, dommage, dommage, dommage. Attends, on va prendre le charbon parce qu'on en a pas beaucoup à la maison. Il va falloir qu'on se refasse des outils parce que là, pouf. Donc on va pas tout de suite aller au gros moulin qu'on a vu. Ça me semble un peu risqué. Je pense que si on y va, on meurt tout simplement. Il doit y avoir des mobs OP dedans, donc ça ne sert à rien. Peut-être du bon loot, hein, mais on va attendre d'être full fer avant d'aller là-bas, au moins. Au moins le full fer, comme ça. Si on meurt, on perd le full fer, on n'a aucun moyen de le récupérer et ce sera nickel. Ok, retour à la maison. J'ai l'impression que c'est quand même mieux sans le ressource pack que j'avais, Stay True. Je devrais avoir le custom de manière à virer le juste le les feuilles spéciales, mais bon. Hop, allez dodo. Je sais pas si on est obligé d'utiliser les une terre bêchée pour planter les sweet berries. Est-ce qu'on a moyen d'en faire quelque chose? Sweet berry cookie. Ouh. Sweet berry cheesecake. Pie crust. Et du milk. Oh la vache. Farmer's Delight, franchement, c'est une tuerie hein, pour la bouffe. Regarde, on peut se faire des petites crates de berries. On va s'en faire une. Ça fera joli. Et on peut les décrafter, genre, est-ce que ça peut servir de... Ouais, oh la vache. On va mettre ça où? On va mettre ça là. Tous les matins, on vient lécher la crate. Ok, on a des steaks. Hop. Non, sur la grâce, ça marche. Ok, super. On va planter ça juste là, du coup. Tac. On protégera des intrus. On va mettre ici, voilà. Et on va mettre ici, voilà. Comme ça, ça va pousser ici, ça sera joli. Donc on a un village juste là-bas apparemment. On va se faire le backpack et ensuite on va y aller. Tac. Donc, ils ont dit ça se met dans le trinket bubble, je sais pas quoi. Donc, ah d'accord, quand on passe sur le plastron, on peut mettre plusieurs trucs. D'accord. On peut le mettre à plusieurs endroits apparemment. On peut pas le mettre là, on peut pas le mettre là. Donc j'imagine il y a une sorte d'amulette, une cape. Le sac à dos, il va là. Ici le plastron et ici, je sais pas quoi, un collier, non? Un ring? Peut-être. Alors, on va poser tout ça. Tac. Les échelles qu'on a eues par un slime au début. Et on va se refaire quand même un petit peu d'outils. J'ai même pas regardé, mais ça se trouve, le mode, il fait que le copper, il est utile. On va regarder. Copper. Déjà, oh la vache. Ouais, on peut s'en faire des outils et tout. Attendez, c'est combien? 5? Je crois que c'est entre le fer, à mon avis c'est entre le fer et la cobble. Ça aurait été bien d'en prendre, c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'ignorer entièrement ce minerai, parce qu'il ne sert à rien, mais parfois les modpacks, ils corrigent petits trucs comme ça. Donc on va poser tout ça, on va aller voir le village. En plus on a la musique du
de village. Ah, on a un coffre au trésor aussi. J'espère qu'il est dans la même direction, ce serait bien. Donc le nord. WTF3. Donc là, je suis en train de regarder. Nord. Ok, donc le nord est par là. Donc par là-bas, on a un coffre au trésor. Et par là-bas, on a le village. On va aller voir le coffre au trésor d'abord. Parce que c'est plus cool d'explorer comme ça. On va juste prendre le bateau et puis on va y aller. Bonsoir, bonsoir. Salut, Homs. Ouais, il y a du monde, hein. On est monté à 24 tout à l'heure. Il y a un papillon dans mon bateau. Allez, camarade. Les entités qui se coursent dans les bateaux. Là, le truc est littéralement immobile. Hop, alors. Ah, ça va, c'est pas loin du tout. Ok. Elle m'intriguait aussi, cette petite montagne là-bas. On a encore des oignons, la vache. Que d'oignons. Une libellule. Ah ouais, ah, j'ai pas eu assez de fer, je crois, pour me faire une cisaille. On a pas qui traîne par là. On a du copper. On va juste placer la torche, le temps de casser le copper. On va récupérer un petit peu si on peut se faire des outils. Comme une hache ou une pioche, ça peut être cool. Et ça se fait avec les lingots ou ça se fait avec les blocs du coup les. D'accord, ça se fait direct avec. Ok. XP storage, XP conduite. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'imagine que ça récupère de l'XP, ça le stocke. Ça peut être cool. Donc l'améthyste aussi a une autre utilité apparemment. Ok, ok. Je vais super bien, je vais super bien. Comment tu vas toi? Ok, donc là c'est plat. C'est assez bizarre comme formation de grotte. Ici on a rien. Je crois qu'on a un aquifère derrière. Quand il y a un grand mur comme ça en général, il y a de grandes chances qu'il y ait juste de l'eau juste derrière. Voyons voir. Totalement, c'est ça. Ok, il n'y a rien. On va éviter de mourir noyé. Hop. Et là, on n'a rien aussi. Bon. On va sortir de la grotte. J'espérais trouver au moins un minerai de fer pour la... pour la cisaille. Alors, par là, on a quoi? Ah! On en a ici. Super. On va se faire quelques torches en plus. Ok. Il m'a fait peur de fou. Il m'a fait peur de fou. Putain de merde. C'est le troisième cri. Hein. On joue pas depuis longtemps, mais... Oh la vache. Il y a Pims dans le mode. Pims. Attends, Pims. Non. Pams. Non, il y a pas de Pims, Pams. Pooms. Je sais qu'il y avait un mode avant qui s'appelait Pam's Harvestcraft qui faisait pas mal de cuisine et trucs comme ça, mais je crois que Farmer's Delight l'a un peu remplacé. Je me demande si c'est pas la suite logique. Ok. Bon, je sais pas ce que c'était ce creeper là en fait. Hein. C'est vrai que j'ai pas réagi, mais il avait une tronche un peu chelou. Je sais pas ce que c'est la différence avec les creepers de base. Wow! La panique. Putain, il me suit. Le fou furieux. Putain, elle a vraiment spawn derrière moi, le truc full enchant là, full chainmail. Ok. Bah super. Hein. Oh! On a une selle. Attends, on peut faire des saddles. Yes! Il nous faut 3 cuirs, ok. Parce qu'on a déjà une armure de cheval en diamant. Je vais faire un truc très rapidement. Je vais me faire une cisaille. Hop. Tac. Hop hop. Donc on a des chevaux ici, on va les laisser en vie. Et donc on a aussi cette carte au trésor. Ah bah on est juste au-dessus, vraiment, littéralement. On va virer notre shield pour voir mieux.
Donc est-ce que c'est comme les... on est un peu plus par là, je crois. Ok, donc je crois qu'on est vraiment au-dessus là. Ok, donc ça doit être vraiment en dessous de nous. Hmm. Est-ce que ça fait comme les coffres de la mer, c'est-à-dire qu'on peut les trouver que en... au sol, en dessous de la terre ou du sable? On ne dirait pas. Oh, j'ai pas envie de creuser pendant 3 heures pour la voir non plus. J'espère que c'est pas sous la stone. Ça peut être sous la stone? On est vraiment au-dessus là en fait. Donc je me dis que si on le trouve pas là, c'est que c'est en dessous. J'espère que c'est pas en couche moins 45 non plus. On dirait pas que... Oh. On dirait que c'est pas là. Étrange. Hmm. Je sais pas si c'est moi qui cherche mal, mais en tout cas les coffres de la mer, en faisant la technique que je faisais, ça c'est censé marcher. Oh, et la nuit va tomber. Aïe aïe aïe. On a passé longtemps dans la grotte. Hop, on va récupérer nos affaires et puis on va se faire une cisaille du coup. Tac. Petit. Voilà. Oh, merde. J'ai vraiment fait cette erreur de faire clic gauche sur le mouton. Wow. Ok, dac le jeu. Je cherche 2-3 moutons pour rentrer là. Hop. Bon, du coup, on n'a pas trouvé ce qu'il y avait dans le coffre. On n'a pas trouvé le coffre. Ah, on a encore un mouton ici. On va prendre des laines. On a vu qu'on pouvait faire des petites peluches. Ça peut être sympa de faire des peluches. Ok, allez, let's go à la maison. On va rentrer avec notre papillon bateau. Hop. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Ah, on a de la canne à sucre, j'avais même pas vu. Incroyable. On va la récupérer. Hop, et on va la replanter à côté de la maison. Tac, juste ici. Voilà. Oh non 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 non. T'as regardé moi cet océan rempli de drawned. Aïe aïe aïe. Oh. C'est le deuxième hein, qu'on voit avec un trident. Hein. On est allé deux fois vers l'eau, deux fois il y a un trident. Moyen fun, moyen fun. Ah. Bon. Bah, c'est pas une bonne idée de mettre des bérets bush devant la maison. C'est une carte qui pointe vers quoi? Bah alors, c'est écrit... carte d'exploration, buried village barrel. Donc, village... Enfin, baril de village. Si c'est un baril de village, c'est très certainement nul. Hein, voilà. Ah ouais, c'est bien un bouton marron, lui. Toc. C'est rare, deux moutons marrons comme ça, là. Un troupeau. Tu me donnes quoi si je te chire, toi? Tu me donnes des... Non, tu me donnes pas des pics? Ok, on va aller voir le truc, là, que je voulais. Des carottes. On va aller voir les... le village que je voulais aller regarder. Ça, c'est pareil, je me le trimballe sur moi, mais ça me sert pas à grand-chose. Ouf. Wow, c'est profond ici donc. Voilà, salut André. Ah! Grass Snake. Je tue tout ce qui est potentiellement méchant. Et à ma connaissance, c'est pas gentil les snakes. Ok, on a encore des moutons. On va prendre le maximum de laine. Je vais faire toutes les plushies du jeu. J'en ai rien à faire. Non! Oh, trop tard à manger.
Ah, une vache. Est-ce qu'on la tue ou est-ce qu'on la ramène? On va voir. Si on trouve une pote, on te ramène. Si on ne trouve pas de pote, désolé. Non, en vrai, on va pas les tuer, les vaches. On va tuer que eux, là. J'aurais peut-être dû équiper mon shield, je suis en train de penser. Viens là. Viens là, mon cochon. Alors, nounours. Je crois que les enfants grandissent dès qu'on tue les parents, c'est ça? Si c'est le cas, j'ai peur. Ils vont grandir devant moi, tu vas voir. Ok, on va partir. On a déjà de quoi se faire une selle, là. Faudrait qu'on se trouve un petit peu plus de... J'ai vraiment essayé de tondre le cheval. First village. Ouais. Let's go. Organic compost. Rich soil. Putain, mais ils ont des petits bâtiments spéciaux dans le village, là. On va garder les animaux qui sont là. Bonjour. Floriste. Trois pots de fleurs pour une émeraude. C'est rentable en vrai. Hein. C'est quoi? C'est 12 argiles, un truc comme ça? 9 argiles? On a des... On a une cloche. Oh, une crête de pomme. Personne regarde. Est-ce que je peux voler leurs pommes? Si on peut se faire des pommes en l'air, ça peut être cool. Je me permets, hein. Je vous l'échange contre un peu de cuivre. Je vais mettre ça dans le coffre de quelqu'un. Comme ça, lui, il va pas être en colère. Il s'appelle comment? Wop. Wop. Bonjour. Oh. On peut vraiment vendre des saplings à lui? Trop cool. Alors, c'est quoi cet arbre? C'est quoi ces arbres dégueux là? On dirait un enfant de 5 ans qui a essayé de faire à des arbres. Attendez, mais il y a une deuxième maison comme la mienne là? Ok. Gosse qui saute sur le lit. Alors, je veux bien les patates moi. J'ai pas de patates chez moi. Salut. Vous avez pas une maison avec un coffre que je puisse déposer un petit peu de cuivre pour votre crate de pommes là? Ah, ils ont un blast furnace aussi. Comment tu t'appelles? Mustapho Cabanis. C'est à toi ce four, Mustapho Cabanis? Cool, cool, cool. Tiens, regarde, on y voit que du feu. Vous pouvez dire, ouais, c'est pas bien, tu lui voles, tu lui downgrade son truc. Mais non, non, c'est que je lui permets de cuire du sable maintenant. Ce qu'il ne pouvait pas faire avec le Blast Furnace, donc je lui ai rendu service au final. Et ouais, je suis comme ça. La main sur le cœur. Salut toi. Giselle Hudds, Whitepot Smith. Ok. Wow. Ça charge le loot, ça lag. Oh! Ah oui! Exploration, Burrage Village, Barrel. On va essayer de regarder si on le trouve celui-là. Peut-être qu'on a juste pas eu de chance. Et on va aller vendre les saplings au mec qui en avait. Et on a une pomme. Une pomme. Une épée en fer. Putain, on a le village du. On a la musique du village de zéro en plus. C'est assez. Donc il était où notre petit vendeur de saplings? C'était lui là? Salut! Non, c'est pas lui. Il était où? Salut, c'est pas toi. Salut, c'est pas toi. C'était une maison dans ce sens là, je crois. Je crois que c'était celle-là. Oui. Hop, une émeraude. Content mec, super. Ok, donc on a des moutons par là-bas, ok. Salut Fallen Paimon.
Pebble. C'est quoi ça? C'est un caillou? On le jette? On peut pas le jeter? Pardon. J'ai une absence. Ah oui, je voulais mettre du cuivre dans leur coffre pour échanger un petit peu contre ce que je leur ai échangé. C'est quoi ça? Forestry Bench. C'est de quoi? More Villagers. Je suis curieux de voir ce qu'on peut avoir comme villageois en plus. Ah, il y en a des petites quêtes ici. On a Bountiful. Une selle. 10 cuir, 32 flint. Ouais, on va éviter. Spyglass. Bon, on va regarder déjà notre coffre au trésor là, qui est juste ici normalement. Bon, j'espère qu'on va pas galérer comme sur l'autre. Tac. C'est moi ou c'est en plein dans leur champ? Je crois que c'est vraiment sous ce truc. Je dirais que c'est là, moi, hein, de ce que je vois sur le marqueur, là. Ah! On l'a trouvé! Oh! Oh! Ah oui! Ah oui, moi je m'attendais à un truc avec trois pommes et deux morceaux de blé. On a une Wither Rose en plus! Spooky Flower. Damn! Et deux têtes de squelette! Damn! Vas-y, je vais chercher. Faut qu'on aille chercher l'autre. Attendez, j'ai posé mon autre carte en pensant que du coup c'était. C'était nul. Il faudra qu'on y retourne à celui-là. Oh, la vache, 45 fer! Ça met bien, hein. En fait, j'ai l'impression que... Ouais, quand ils spawnent par groupe de moutons, ils sont de la même couleur à chaque fois, quasiment. Genre, là, il y a eu 3 moutons gris côte à côte. Là, on a des moutons blancs, ok. Je sais pas ce qu'on peut en faire, les têtes de squelettes. Skeleton sous lanterne. D'accord, puis c'est juste de la déco, en vrai c'est joli. Non! Ok, c'est bon. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Rien? Ok. Hop. On va prendre le bif. Et le puffer fish pourrait être bien à prendre. Ah, j'ai vraiment plus de place, c'est dommage. Bon allez, on va partir. On a un bug d'éclairage et on a surtout des choses à prendre là-haut. Oh, des slime balls, trop bien. On va poser ça. On a du pain. On a encore. Attendez, est-ce que c'est la même? Ouais, c'est celle qui était dans le village. Ok. Donc celle-là, on n'a pas besoin. Le seau d'eau, on garde. Bah du coup ça sert plus à rien maintenant. On va prendre ça et on va prendre la pomme et j'aimerais bien prendre le pain aussi. Comment on peut faire ça? On va faire ça, regardez. Tac. Voilà, on a déjà une selle à la maison donc on n'a pas besoin. Et on va pouvoir rentrer à la maison. On prendra les livres si jamais on a besoin, on viendra. Mais bon. Le jeu est déjà assez généreux avec les structures, on va pas... On va pas pousser. Oh, c'est quoi ce truc? Rock. Ok. Ouais, du coup, là, ça vaut le coup d'aller chercher le deuxième coffre au trésor. Ok, là, les petits zombies ici. Je sais pas ce qu'on peut avoir comme mob hostile, au fait, en plus.
Pour l'instant, j'ai pas vu grand chose de méchant. J'ai vu un serpent tout à l'heure, mais j'avais pas l'impression qu'il était méchant. Bah tiens, il y en a un autre là. T'es gentil, toi, hein? Ouais, ils sont gentils, en final, je me sens mal d'avoir tué l'autre. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Pour un début, c'est rentable. Ah ouais, là, là, il n'y a pas de... Bah, je vous ai dit, hein, dès qu'on a le full fer, on peut aller... on a vu un moulin avec une sorte de village tout début. Ça me fait peur, j'ai cru que c'était un ours, lui. Voilà. Hop. Oula. Aïe. Ok. Go maison. Tac. Go dodo. Voilà. Franchement, on se met bien. C'est vrai qu'on a... Regardez tous les achievements qu'on a eu. J'imagine qu'on a... Ah oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. On a juste tout ça, en fait, d'achievements. Ça serait bien qu'on puisse faire tous... Est-ce que c'est un objectif qu'on se fait de faire tous les achievements? Déjà, je suis en train de penser que je suis un gros débile. J'ai un backpack et j'ai pas mis un seul truc dedans. Yes. Écoutez, on va se... Oh! Oh, on a les factory blocks. Hop. On va tisser du fer hein, pour se faire... un truc un peu plus grand. Ouais, c'est vrai que j'oublie que j'avais un truc. C'est pas grave. Je valide les musiques. Ah ouais, les musiques de Zelda. Ok. Alors, on va se faire chauffer ça tranquillement. 38 lingots de fer. On va se faire le reste de l'armure. Et on va se faire une hache. Hop. Et une pioche. Voilà. On va pouvoir agrandir nos coffres aussi parce que là, ça va bientôt être trop petit. Tac. Alors, ça, on va poser. Ça, on va garder. Ça, on va mettre à côté juste ici. Hop. Oh, on a un Wandering Trader. Hein? Alors, Nautilus Shell, pas mal. Moonstone. Mysterious Bundle. Oh, ça fait envie. Je vais regarder si on peut pas en acheter un. J'espère que c'est qu'un objet que ça drop et ça va pas genre spawn un wither ou un truc. Mais on peut en acheter deux. On va en acheter un et on va garder les émeraudes. A pig in a poke. Ah bah ok, le mec vient chez moi. On tue qui? On tue les lamas pour avoir les laisses ou on tue le mec pour avoir les laisses? Parce que là il est juste chez moi en fait. Il est où? Ah il est là. Oh, attendez, il vient de casser les laisses tout seul. Je crois hein. Non. Salut, c'est Claudia. Bienvenue, bienvenue. Alors. Ah, il s'appelle comment? Ishmael Rentas. T'as un nom très stylé, mais t'es sur ma table de craft, mon pote. Ok, on va regarder ce qu'on a. Ouh, un arc. Depth Meter. Ça nous donne juste... D'accord, ça nous donne juste la couche qui est écrite ici. Ok. Ça se fait comment? Copper Redstone. Le mode s'appelle Additional Addition. Le compas est utile par contre. Ça je dis pas. Mais... Et Chainmail Boots, ok. Pareil, je vais prendre ça là, l'arc. Oh, il va me saouler par contre, hein. T'es bien sympa mon petit Ishmael, mais je dis son nom, il est trop long, il faut qu'il meure. non, on va être aimable, on va le laisser vaquer. C'est juste chiant pour les laisses. J'aimerais bien voir les laisses. Mais il m'a vendu un truc bien, donc je me sentirais mal à le tuer. Après, il est en train de piétiner chez moi, je sais pas.
Je suis partagé. On va faire un pierre feuille ciseau. Comment est-ce qu'on pourrait faire un pierre feuille ciseau sur Minecraft? Le plus simple, c'est avec un dispenser, mais j'ai pas de dispenser pour faire de l'aléatoire. On va faire un truc. J'ai une idée. Ça va être très bizarre, mais regardez. Je vais mettre deux blocs. Je vais mettre pile au milieu. Je vais jeter mon seau d'eau dessus. Comme ça. Si je casse ce bloc là et que le seau tombe, on le tue. Si je casse ce bloc là et que le seau tombe, on le laisse vivre. Donc le seau est pas tombé, donc on le laisse vivre. Ok. Ok, bon bah tu as mérité la vie, bravo à toi. Dégage. Abuse pas mec. Qu'il nous fasse. Tu l'es les mains. Non mais en fait je viens de penser, on a des slime balls. Ça sert à quoi les slime balls? Slime chunk locator. Ouh. Oh des plushies. On peut déjà faire la plushie du slime. Attendez, je vais regarder si ça vaut le coup de faire les plushies ou si c'est vraiment pas rentable. C'est quoi ça? Pattern wool. Regardez hein. Oh, on peut se faire un paillasson. Oh, on va tellement se faire un paillasson. Par contre, on n'a pas de ligne droite, je crois, sur ce truc. Comment on peut en faire? On peut en faire des ficelles déjà. Ok, c'est good. On peut changer la couleur, d'accord. Always true filter. Decorating your home. On va se faire un petit paillasson. Comment on va le faire? On va le faire ici plutôt. Voilà. Donc, celui-là il va là. J'imagine que celui-là va là. Celui-là va là. Celui-là va là. Yes! Regardez un petit paillasson. Allez, ça dégage. Franchement bien hein, le petit bundle, là on a eu un arc. On n'a pas de flèche, je suis en train de voir. C'est pas très grave. Tac, donc la plushie. La plushie, je voulais faire la plushie à la base et je me suis perdu. Tac. On est obligé de la faire à gauche. Comment? Attendez quoi? Ah, il faut une laine verte. Oh, c'est gaçant ça. Attendez, comment on fait toutes les plushies? Je vais regarder celles qu'on peut faire déjà. Plushie. Ok, on en a quelques-unes. Ah, en fait, peu importe ce qu'on marque, on aura toujours la infusion table, j'ai l'impression. Hein. Season calendar. Comment on fait ça? Donc, mob scarecrow, ok. 4 plushies. Donc celui-là, on l'a déjà vu. Wolf plushie, il faut quoi? Ok, on pourrait presque le faire. Pigeon plushie. Oh! On peut faire un oiseau. Iron golem. Ok. Turtle, d'accord. La turtle est pas très compliquée à faire. Hein. Faut juste du kelp. Undermite. Oh, faut aller dans l'end. Ok. Panda plushie. Faut du bambou. Faut de la laine verte. Là, c'est juste laine orange et laine noire, d'accord. Laine blanche, laine noire. Ah, peut être bien celui-là. Je pense qu'on va le faire. On a combien de laine en tout? Ouais, on va faire ça. Je vais tuer un poulpe. Il doit y en avoir. Hein. Ouais, il y en a. Je ne ferai aucun commentaire sur la croix gammée. C'est pas une croix gammée. C'est pas du tout ça. C'est un paillasson. Ok. Faut arrêter de voir des croix gammées partout. Putain, je suis en train de me noyer, quel débile. Attendez, j'ai mis la canne à sucre dans l'eau là? C'est ça qui se passe? Ah ouais? Ça fait ça le jeu maintenant? D'accord. Attendez, mais on peut respirer sous l'eau avec deux cannes à sucre en fait.
Est-ce qu'on peut les poser sur n'importe quoi, genre, maintenant? C'est quoi l'histoire? Non, ok. Faut que ce soit du sable. Du sable ou de la terre. Ok. Putain, non! Bon, on n'a plus de bateau. Ok, alors on a de quoi sur la petite plushie. On va regarder ce que ça donne. On va la poser. On va se faire une étagère. On s'agrandira à la maison, je pense, parce que on va manquer de place assez vite. C'est une petite étagère là-haut et on va mettre par-dessus notre plushie. Donc, maintenant, il faut faire du colorant noir. Hop. Attendez, on colorait plus les laines comme ça? Black wool. Oh, faut les faire 8 par 8. Oh non, trop chiant. En même temps, ça fait sens parce que tous les autres trucs, il en faut 8. Après, on a des trucs à colorer. Est-ce qu'on colorierait pas genre 9 comme ça? Ah, on peut faire ça, d'accord. Sinon, je suis en train de penser, on peut faire ça, ça et ça pour avoir une laine blanche. Ok. Alors, il ressemble à quoi, notre petit renard? Oh! Ok, on va tous les collectionner, j'en ai rien à faire. On ne le voit pas beaucoup, oh, c'est dommage. Attendez, on va le mettre ailleurs. On va le mettre... On va le mettre là. Allez, dodo. Utiliser un filet à un pupillier pour attraper les insectes? Non, par contre, utiliser un bateau? Oui. J'avoue, est-ce qu'on a un... Attendez, on a un Ender Dragon plushie? Black Wool Dragon Head. D'accord. Ok. Ah, c'est pareil, celle-là, on aurait pu la faire, la plushie. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je sais plus. Donc, déjà, on va se faire de la bouffe. Ça doit avoir chauffé notre nourriture là. Ouais, super. Donc, on va aller voir le truc très dangereux qui va certainement nous tuer. Ah, mais attendez, je l'ai le Decorating Your Home. Je l'ai eu comment? Je l'ai pas crafté. Table, chairs, building blocks, posts, platform, steps. C'est quoi ça? Build staircases with posts and platforms. D'accord. Ah. Kitchen blocks. Ouh. Sofas. Trading station. Oh. Shelves. Attendez. Attendez. D'accord, c'est pas compliqué à faire. On va regarder si on peut se faire une shelf. Hop. Tac. Ah, il faut de l'oak, forcément. Ouais, il faut de l'oak, ok. Quoi? Stick, oak slab. Ah, c'est des slabs, je suis bête. Hop. Ah oui, c'est vachement bas, d'accord. Je vais regarder si on peut pas poser la plushie directement dessus, ça ferait... Hop, ça prendra moins de place. Elle vole. Mais au moins elle est là. Notre petite plushie, notre première plushie. Oh, comment on l'enlève? Ok, clic droit. Donc il y a deux slots par shelf. Ok. Il est mignon, hein. Par contre, il m'énerve lui à côté là. Je veux trouver ce coffre, moi. Je veux du fer. On y va. Ah oui, filet à papillon, c'est ça que je voulais chercher. Net. Ah merde. Tout ce qui est nether va être là-dedans. Net. C'est quoi, c'est catching net? C'est bug net. Bug. Non, net. On peut se faire des mushroom chair. Pas mal de trucs de déco, j'ai l'impression. Hein. Safety net. Ouais, je sais pas si on a moyen d'attraper les papillons avec le... Sinon, regardez ce qu'on peut faire, c'est...
On va regarder. On va aller regarder l'oiseau. Enfin, l'oiseau, n'importe quoi. Attendez, on va les libérer. Comment, c'est de quel mode? The Wildlife. Ok, donc Wildlife, c'est le machin qu'on a. Tiens, retourne dedans, toi, je t'aime bien. Toi, t'es mon pote de bateau. Viens là. Mais que toi, par contre. Viens là. Viens là comme raid. Allez! Allez! Il veut pas venir. Bon, tant pis. On va laisser vaquer à ses occupations. Alors, on peut regarder après dans le livre. Ça se trouve, il y a un truc pour les attraper. Mec, tu m'avais... Salut, mec, tu m'avais manqué. Salut, salut, Cutty. Ok, bon. Deuxième tentative à trouver ce coffre qui vaut le coup. De ce qu'on a compris, ça vaut le coup. Hop. Donc on a des chevaux. Ah oui, je voulais me faire aussi une selle. Ça pourrait être bien, c'est une petite selle. Pour aller à la structure du début, on pourrait y aller en cheval. Ok, alors c'était juste ici qu'on avait... On avait la truc. Attendez, c'est quoi ça? Oh, il est là! Oh la vache! Damn! Incroyable! On avait même pas besoin de creuser, il était au bord de l'eau le truc. Ok, bon bah c'était plus rapide que ce que je pensais. On a des belles structures là-bas. Oh, c'est quoi ça? Gravestone. Oh merde, il y a quelqu'un qui est mort. Oh, c'est des boss blocs par contre. Mon karma ne va pas être bon pour cette série. Je suis déjà à troisième jour, je suis déjà en train de piller une tombe. Globeerys, laser cap. Ouais mais là on a du boss block les potes. Regardez, on va lui mettre une Wither Rose, qui est la fleur de la mort, en hommage à son décès. Il n'y a même pas de nom sur la gravestone. C'est qui est mort? C'est qui l'a enterré surtout? Il n'y a personne dans les environs. Est-ce que ce serait pas genre... On va faire du lore, regardez. Vous voyez la maison là-bas? La maison dans laquelle on est? Elle est abandonnée. Il y a une tombe juste ici. Avant ici, il y avait une jolie forêt verdoyante. Et il y avait un petit couple qui vivait dans la maison là-bas. Et il y en a un des deux qui est mort. Et du coup, il a enterré l'autre. Mais la forêt a commencé à mourir. Il n'y a plus un seul arbre. Et là, la forêt, elle a reculé jusque là-bas. Et du coup, la personne, elle a dit « Ok, on s'en va. » Et elle est partie. Voilà. C'est une belle histoire, hein. Et nous, vendre piller la tombe. Chez. Ah mince, mon bateau. Salut Quentin. Oh, un slime. Tu vas me donner quoi toi? Des échelles? Des underperles? La masse vie, c'est quoi ce truc? Il est mortel? Oh la vache. Oh, wow, 50 pinky gel. Pinky slime ball. Sticky grenade. Sticky glow stick. Glow stick. Mais il y a des trucs... Pinky gel. 25 à plus de 50 avec looting. On peut faire des grenades, des bombes. Bouncy grenade. Bouncy glow stick. Attendez, mais c'est trop marrant ces machins-là. C'est genre des bâtons, tu les jettes et rebondissent et ils font de la lumière. C'est 1.18. Ouais, absolument. Bouncy Dynamite. Oh là là. Oh là là. Oh, ça fait envie tout ça. Hein. Quand on explorera des donjons, on pourra les exploser à la grenade. Ce genre de... d'explorateur. Hop. Tac.
Alors, il est parti notre papillon par contre, hein, c'est dommage. Alors, je voulais me faire une selle et aller chercher un cheval. Parce qu'on en avait pas loin. Donc, c'était comme ça, il me fallait un tripwire aussi. Tac. On va se faire aussi maintenant qu'on a ça et qu'on a des poissons. Ah quoi qu'on va peut-être garder les poissons avant de se faire la statue de chat. On va garder les... on va garder sous ça. Donc ça on pose. Ça on pose. Ça on pose. Je voulais regarder aussi là-dedans, c'est le truc de wildlife ça. Si on a de quoi les capturer. Insectes. Donc là on a tous les animaux. Tous les Monarch Butterfly, donc c'est celui-là qu'on a. C'est juste des infos random. Ok, on peut pas les capturer. C'est juste ils sont là en mode de... salut. Ok. On va revenir sur le Cotton Bird. Ok. Donc ça c'est bon. On a de quoi faire le donjon. Je pense qu'on va aller faire le donjon. Ça va être l'heure. L'heure du combat. On va y aller à cheval. Donc pour ça, on va se faire des tripwires. Comme ça, je crois. Inverse. Hop. Une selle avec... c'est quoi, une ficelle en plus? Ouais, c'est ça. Tac. Voilà. On va chercher l'armure. On va chercher un bon cheval. On va pouvoir commencer le donjon. Tac. On va se faire un autre coffre. On va mettre tous nos blocs dedans. Tac. Voilà, comme ça on range un minimum. Parce que vu le nombre de blocs qu'on va avoir, si on commence pas déjà à ranger, ça va être l'enfer plus tard. On va se prendre un peu de bois. Et on va être bon. J'espère juste avoir assez de nourriture. Parce que s'il y en a du combat à faire, on a potentiellement de... on doit potentiellement bouffer pas mal. On va garder un petit peu de fer sur nous. Ça devrait aller. Ouais, ok. Donc là le soleil va se coucher, on va partir au beau matin. Je vais juste regarder si mes plantations elles ont... déjà on a ça là. Tac. Super. C'est possible d'avoir une armure en améthyste? Ah bonne question, ça peut être joli ça. Si on peut connecter toutes les armures. Non, améthyste, on a les outils. Améthyste sword. 6 d'attaque. Attends, une hache, ça fait combien? Ça fait 10, damn. Ce serait bien qu'on trouve une améthyste géode du coup. Bon, ça n'a pas poussé encore ici, hein. On n'a pas grand chose. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Il est encore là, lui. Bon. Ah! Sapristi. Ouais, ça, elle devient jolie notre petite maison là. On va pouvoir la décorer tranquillement, rajouter des trucs. On verra les coffres, hein, c'est pas beau ici, mais on fera un storage bien, bien comme il faut plus tard. Hop. Donc. Des chevaux, on en avait de chaque côté. Je vais regarder ma map. Donc. De toute manière, on peut pas l'atteindre avec un cheval. Donc, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir le cheval maintenant. Parce que les chevaux, il y en avait juste là en fait. Donc si on traverse ici, qu'on prend un cheval et qu'on fait zoup, qu'on va jusque là, on peut peut-être atteindre la berge. On va faire ça. Tac, j'espère que j'ai vraiment assez de bouffe. Il élimine le marchand, il nous casse les oreilles. S'il est encore là quand on revient, on va l'endormir, on va l'euthanasier. Avec notre hache. Oui, casse les oreilles. je vais lui éliminer sa vie en raison de nuisance sonore. Ah, on a de l'entity calling, regardez. Attendez.
Regardez la vache, elle disparaît à moitié quand je fais ça, à gauche là. C'est l'entity culling qui fait ça, c'est que ça supprime toutes les entités qui sont pas sur l'écran directement, comme ça ça évite de faire laguer. Voilà. Hop. C'est vrai que j'aurais peut-être pu faire des pommes en or avec tout l'or que j'avais. Ou au moins améliorer mon backpack, mais je pense qu'on devrait avoir la place. J'espère juste qu'on va pas genre avoir des vindicateurs en full fer. Ce serait assez chiant. Allez, aime-moi toi. Il y a plein d'autres chevaux, hein. Si t'es nul, moi je te... Oh, il est rapide. Ok, est-ce qu'il saute haut? Il saute haut. Oh, il est bien. Ok, allez. Oh, merde. Comment on l'appelle? Oh la vache. Wow. Ah oui, là c'est une vallée là, pour le coup. Tac. On a une petite montagne de neige. Alors, j'espère que le cheval s'enfonce pas dans la neige, tel un gros nul. Oula, oula, oula. On a de la deep slate ici. C'est bien qu'on ait de la deep slate à ces couches là, comme ça on n'est pas obligé d'aller en moins 0 pour en avoir. Tac. Ça va plus vite qu'à pied, ça évite d'utiliser la nourriture. Oh, on va prendre les citrouilles, on a besoin de beaucoup pour les... Comment ça s'appelle? Les petites plushies. Tac. C'est ce que ça lâche, ça, non? Oui, c'est ce que ça lâche. On devrait être tranquille avec tout ça. Hop. Il y en a une, un peu plus d'une dizaine de plushies. On pourrait se faire une petite salle mignonne avec toutes les plushies. Allez, en avant Guingamp. Donc juste en face, là, on a la méga île, c'est ça? Mince, je crois que je me trompe de touche. C'est ça. Donc on a des zombies villageois. D'accord, à mon avis, c'est un village abandonné. Par contre, le bateau pirate, je pense pas qu'il soit abandonné. Je pense que c'est un village qui s'est fait attaquer par des pirates. Et on va prendre le kelp pour les tortues. Tac, il faudra juste qu'on vienne... Avec pour récupérer ça, la seaweed, là, pour faire la plushie de la tortue. Donc, ouais, regardez, on a ce bâtiment de dingue, là. Oh, on a plein de blé. Oh, la vache, regardez la map. Regardez les mobs qu'il y a dessus. Oh, c'est quoi leur vitesse? Pourquoi ils brûlent pas au soleil? Attendez. C'est quoi ce truc? Farmer hat. Ok. ça me semble dangereux comme zone. Oh, il a une épée en fer. Faut les jouer très safe. Oh, ils vont m'en... Oh, on peut les stack, ok. Ils vont m'en drop un chaque fois, c'est ça? Regardez la map. Donc les squelettes, ils sont tous dans le bateau, là. Tous les squelettes avec des chapeaux en or. On a trouvé une sorte de village de fermiers zombies. Ça fait peur, hein. Je vais me... On va jouer safe. Je vais me prendre quelques blocs. Ça va me permettre de tower up si jamais il y en a genre 5 qui me foncent dessus en même temps. Tu stream encore combien de temps? Je sais pas trop. Pas trop trop trop. Quand j'aurai faim, quand je serai fatigué ou quoi... Pour l'instant, j'ai bien envie de faire ça déjà. On verra après ce qu'on fait. Ça fait peur, hein. La vitesse à laquelle ils vont, la vache. Et le fait qu'ils soient immunisés au soleil aussi, c'est pas rassurant. J'espère juste qu'il n'y a pas de spawner et que j'ai pas à faire ça limité, quoi, mais... Hop, on a 6 chapeaux. Incroyable. Je collectionne les chapeaux.
Bon, si jamais on a besoin de bouffe, au moins on sait où en trouver, quoi. Attendez, j'entends les bruits. Ok, il y en a encore. J'ai vraiment l'impression que c'est pas une zone... pour tout de suite, mais bon. Ils nous ont pas touché encore. Je sais pas combien de dégâts ils font. Ça se trouve, ils nous éclatent, mais... j'ai pas l'impression que leur houe soit enchantée, donc à mon avis, ils font genre 2 coeurs de dégâts. Oh, ah non. C'est un truc de pillageois, ce machin. Est-ce que c'est un hasard que ce soit ici ou pas? Attendez, c'est quoi? J'ai mis des waypoints? Je crois que c'est en faisant plus. Ah oui, c'est en faisant plus. Attendez, c'est quoi? C'est J les waypoints? Non. Attendez, on a 2 minimaps différentes? C'est utile, ça. Ok, on verra ça à la maison, les waypoints. C'est pas grave. Ok. J'ai trop peur, hein. J'ai vraiment pas envie d'aller dans ce truc. Ok. J'ai l'impression qu'il court plus vite que nous, je suis pas sûr. Mais peut-être. Il court vite de fou, hein. Du moment qu'il nous attaque pas à distance, ça va. Les trucs les plus chiants à faire en raid, c'est quand les machins, ils nous attaquent à distance. Il y a des petites particules, là. Je sais pas si vous voyez un peu dans le champ. Oh, ok, ils nous font pas 2 coeurs de dégâts, ils nous en font 5. Ah la vache! Je suis full fer, hein. Je suis full fer, je prends 5 coeurs. Est-ce qu'on le cheese, ce machin? J'ai peur qu'il y ait quand même des mobs en haut, déjà. Déjà, ça me rassure pas. J'entends des wish en plus. On va regarder. On va juste sneak peek tranquille. On a une witch. Tant qu'il n'y a pas d'évoqueur, moi ça me va. J'aimerais juste trouver un de leurs coffres en fait. Juste savoir si c'est rentable de venir ou pas. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ça se trouve, c'est pas du tout vers le haut qu'il y a des coffres, c'est tout en bas, mais. Ok, donc c'est des pillageois, c'est pas des vindicateurs déjà. Merde, j'ai un strip. La bûche. Ok, donc leurs coffres sont là en fait. Comment on va s'y prendre? Oh non! Poison 15 secondes. Comment on s'y prend pour l'attaquer celle-là? J'ai pas de flèche en fait, donc je peux pas le... Spider-Man le mec, t'as vu ça? 15 secondes, hein. 15 secondes de poison, vous avez vu ce que ça fait? Ok. C'est bon, elle nous a pas beaucoup touché avec sa potion. Bon, j'espère qu'il y a juste pas de spawner. Ça continue là-bas en plus. Ok. Bon, on a quoi dans les coffres? Oh damn. Oh damn. Ok, bon bah alors là je suis refait. Protection 2. Oi oi oi, en plus il y en a pas qu'un, hein. Il y en a genre au moins 6 des coffres comme ça. Aqua Affinity. Bon, ça va pas changer grand chose, mais. Oh la vache! Ça y est, je suis refait. On va poser un peu tout ça dedans. On n'a pas besoin de faire les donjons quand on sait où faut aller. Protection 2. Ok, on va mettre celui-là plutôt, parce que là, on est en danger. Projectile protection 2. Ok. Je sais pas si on a une table de désenchantement. Wow. Ok. Je
Je pense que c'est pas impossible qu'on ait d'autres trucs en bas, mais la vache. Et tout ce qu'on a. Bon, par contre, plutôt dangereuse la zone. Hein. On n'a pas tout exploré encore. On n'a pas fait ce bateau. J'ai pas envie de le faire, hein, honnêtement. Ah, on a des slimes. On va devoir ressortir. On va aller retourner à notre bateau qui nous attend. Oh, on a un ogre. Ah ouais. On a un Enderman, ok. Je vais le regarder comme un débile. Oh. Attention à toi. Oh, ils sont trop stylés avec le texture pack. J'aimerais bien tuer les petits slimes là, parce qu'eux ils donnent des trucs, ils donnent des échelles. Ce qui est le drop le plus bizarre qu'un mode que puisse te donner des échelles, mais why not. Par contre, il y a un souci de hitbox avec ces mobs là, c'est chiant. Potion d'invisibilité. Ok, ok. Bon allez, on va rentrer. On a eu ce qu'on voulait. T'es comment toi? T'es gentil, t'es méchant? T'es forcément méchant, tu spoil la nuit. Tu me suis là. Hein. Tu me suis de fou en fait. Oh! Holy fuck! C'est quoi ce truc? Oh, je suis une crise cardiaque! Orc. Ghoul. Oh, oh. C'est une blague? Il y en a plein sous l'eau. Vache, mon cheval est encore là-bas. Oh, il a pas bougé au moins. Oh la vache! Il reste au fond de l'eau, il meurt pas, il se transforme pas en Drowned. Les zombies, ouais, les zombies paysans, ils peuvent mettre mal. Là, ça va, on a récupéré genre deux parties d'armure. En... Oh, oh. C'est quoi ce truc? Il y a des trucs en dessous là. Oh, je suis trop dans la merde. Oh la vache, c'est quoi ce truc? Oh non, mais c'est une blague. Ça va bientôt finir. Vite. Non, non, non! Je déteste la caméra dans le jeu. Mais il va jamais revenir, mon cheval, en fait. Il va se prendre un truc de trident et il va crever. Oh la vache. Ouais, dégage toi. Tiens. Meurs. Oh merde. Mais comment je fais pour mon cheval? Il est là-dedans là. Il peut remonter ou pas? Est-ce que c'est grimpable? J'entends le gargouillement du mec là. On n'a pas eu de flèche d'ailleurs avec tout ça. Je pense qu'on va devoir tuer le mec avec le trident. Hein. C'est un bébé. Ok. Faire protection. Ok, on peut ressortir. On laisse les ebales ici, on s'en fout. Ouais, bah on va éviter de sortir la nuit. On a vu un ogre et une sorte de... Oh, je l'avais pas vu. Une sorte de démon des enfers là. Ah. Attendez, mais on a de la musique là, j'ai l'impression. Il y a de la musique qui vient du jeu alors que la musique est tournée en off. C'est pas ça. Ah, c'est ça qui fait ce bruit. Merde. Ah, je suis perdu.
Ok, c'est parti à zéro. Je crois que j'avais un bug sonore. Un son qui persistait. Je me disais, c'est bizarre dans la musique, le bruit de fond, là. Ouh la vache. Ok, bon, on va rentrer. Putain, les... C'est quoi ces trucs-là, les ghouls? Ils font quoi, eux? Rip le cheval. Non, t'inquiète, le cheval, il est bien, là. Oh, damn. Ça descend bien. Oh, on a une deuxième tombe. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On va récupérer... Oh, on a de l'améthyste. Désolé, on pile les tombes ici. C'est pour le bien de... du monde entier. Ah ouais, non, 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 on veut pas explorer de ça. Comment on va traverser, nous? Parce que là, il faut qu'on traverse de l'eau et il y a certainement des... On va laisser notre cheval ici. Tu restes là, on va te chercher demain. J'ai pas envie de m'embêter à traverser ça... là. Hop. Bon, déjà, c'est bien. Hein. C'est très, très bien stuffé, là, avec ce qu'on a trouvé là-bas. On va pouvoir aller dormir et... On a un zombie très chelou. Ouais, je connais pas les mobs. Il est encore là, lui. Bon, il va mourir demain. Pas le choix. Donc, ouais, la nuit est dangereuse. Hein. Vous voyez que je suis en... Ah, The Blue Moon. You feel lucky. Est-ce que c'est un truc genre... un truc qui fait que toutes les cultures, elles poussent plus? Non. Ah. Est-ce que quand les cultures sont poussées, elles font ça, genre, les petites particules, là? Est-ce que ce serait ça? D'accord. Ok. Les ghouls viennent du mode qui rajoute les tombes, elles sont pas dangereuses. Bah, elles sont pas dangereuses, elles te courent dessus, quand même, c'est assez... Bon, du coup, Ishmael... Ishmael, on va t'exiler. J'ai pas envie de te tuer parce que tu m'as vendu un arc. Et je... En vrai, c'était 6 émeraudes l'arc. Hein. C'est quand même cher. Surtout, surtout que j'ai pas de flèche. Donc en vrai... Désolé. Désolé les potes. On va en obliger les tuer aussi, hein, malheureusement. Allez. Soyez en colère, je suis désolé. Oh, ils donnent du cuir. Ah bah, j'ai bien fait de les tuer. Donc, on a des améthystes. Putain, j'avais pas vu. On peut se faire un Crystallis truc XP Saver. XP Saver. D'accord. Je sais pas comment ça marche tout ça. Hein. Des XP conduites. J'imagine que ça se recharge, genre, peut-être. On va essayer, on va s'en faire un, hein. De toute façon, ça va pas, ça va servir qu'à ça, je pense, l'améthyste. Tinted glass. Table d'infusion. Ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Faudra qu'on regarde. On peut colorer. Purple dye, d'accord. Oh! Des blocs néons. Oh yes. Améthyste lampe. Stylé ces machins là, comment on fait ça? Glow dye, on n'a pas encore vu le glow squid malheureusement. On ira miner, je pense, la prochaine fois dans le. On doit avoir des trucs stylés dans les grottes. Hop, bon, on a récupéré franchement. Putain, franchement, on s'est mis bien. Regardez ça, on a un stack de fer, on a une potion d'invisibilité, on a du stuff. Est-ce qu'on a des barrels en rab? On va s'en faire d'autres. Tac. Voilà. Alors. Problème, ça va être la place dans ce truc-là. Hein. On va vite fait être limité. Je pense qu'on fera notre collection de plushies là-haut.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à enlever ça. On mettra toutes nos petites plushies là-haut. On mettra notre lit aussi. Et comme ça, on pourra avoir un peu plus d'espace en bas. Si genre ici, c'est que des coffres, ce sera mieux, je pense. On va faire ça, on va bouger le lit. De toute façon, le lit, on dort qu'une fois par jour, donc c'est pas grave si on monte l'échelle à chaque fois. Hop, le lit sera ici. On va chercher nos plushies. Tac. Hop. Est-ce qu'on peut la mettre dans le lit, peut-être? Non. Tu peux trouver beaucoup de cuir dans les biomes cimetières. Ah! Biome cimetière. Ça fait envie. 30 émeraudes aussi, hein, au passage, on souligne. Waystone. Oh, on peut faire des Waystone. Abyss Watcher. Il faut une perle. Ah ouais. Red Nether Brick Waystone. Desert Waystone. Pocket Wormhole. Ça, c'est genre, tu peux te TP. C'est pratique, ça. Local Void. Ça fait peur, ça. Ce serait bien qu'on ait des petites underperles bientôt. Hop. Donc là, on va se faire... on va se mettre des barrels comme ça. Donc ici, on va mettre un petit peu tout ce que l'équipe mange, je pense. Donc, tout ça. Putain, la, pelle en... la pioche en bois, franchement, au feu. Et hop, ça dégage. On va mettre ça aussi dedans. Je considère que c'est de l'équipement, tout ça. Voilà, la carte aussi. Bah la carte en vrai on l'a explorée non? Attendez. Ouais, donc la carte on peut l'acheter, hop. Tac. Ok, super. Ouf, il faudrait un peu plus de nourriture. On avait pas mal de hay bales et de trucs comme ça dans les villages. Mais j'ai vu qu'on a le mode pour avoir des bouffes un peu cool. J'aimerais bien qu'on puisse en cuisiner. Glow berries, ça sert à quoi? Glowy snack. Oh, on peut faire du glow dye. Oh damn. Attendez, on va faire un truc. Comment on plante ça? D'accord, c'est bon. Oh, c'est joli. C'est joli de fou. On dirait une petite plante pendue. J'avoue, ça rend grave beau en vrai. On va laisser là. En plus, il y a une petite glow truc qui pousse dessus. Ce serait encore plus joli, ça ferait de la lumière. Donc, il me fallait du glow truc pour... Je voulais faire des neon blocks, voir ce que ça donnait. Donc c'est 4 améthystes et 4 colorants. On va utiliser toutes nos améthystes pour ça, mais bon, c'est pas grave. Colorants, on va utiliser... on va utiliser une des roses raides qui sont là. Tac. T'as ton G8 de Noël. Ah bon? Tac. Allez, on va faire des blocs bien rouges, bien pétants, voir ce que ça donne. Tac, 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 tac. Wouah, c'est trop... Ça, c'est le genre de truc qui mindfuck, regardez. On a quand même un petit peu de reflet, vous voyez que c'est pas entièrement rouge-rouge. Je pense que c'est parce que j'ai des shaders, mais vous voyez que c'est... C'est assez perturbant comme truc. Je trouve ça trop kiffant, moi, ces blocs-là. Il y avait dans un... Oh, yes, en plus, on les récupère. Dans un modpack, il y avait des trucs comme ça, des blocs d'antimatière ou je sais pas quoi, comment ça s'appelait. Et c'était c'était plutôt cool. On a des blocs de néon. On les utilisera certainement pas, mais au moins, on a vu ce que c'est. Ok, bon, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire en plushies, sachant qu'on a des bones, on a de la gunpowder... On va se faire une canne à pêche, on va pêcher deux poissons, on va histoire de se faire la plushies du chat. Tac.
Et ensuite, on se fera. Tiens, on récupère ça. Sage. Trop rouge, mais c'est beau. Ah oui, non, mais là, c'est des blocs vraiment pétants, quoi. Genre. Je pense que les plus cool, ce serait le bloc noir. Oh, hawkfish. Ok, donc on les pêche pas avec une canne à pêche spéciale, on les pêche juste comme ça. D'accord. Toujours long la pêche dans le jeu. Hop, ok. Tropical fish. On peut l'utiliser pour faire le plushie. On peut, ok. On va se faire la plushie du chat. T'as paysan. Ouais, c'est bon, je vais le retirer. Je sais pas à quoi ça sert en vrai. On le mettra quand on fera de la. Des trucs. On peut le placer par terre? Non. On peut que l'équiper. Donc, alors, ça, il fallait 4 laines. Donc les laines, c'est pareil, il va falloir en reprendre un petit peu plus parce que là, on n'en a pas beaucoup. Tac, et c'était quoi au milieu qu'il fallait pour la plushie? Une citrouille. Une citrouille carvée. Voilà, on va s'en faire 2-3. Oh, ça tourne. Oh, ça tournait ou je rêvais? Ça tourne, hein. Je suis pas fou. Ok. Ok, on a la plushie du chat. On va la mettre là-haut. Avec la plushie. Préféré de Minecraft. C'est trop bien. Attends, est-ce que comment je suis? Je veux un sol de chat comme ça. Et marcher dessus, ça fasse pipu comme ça. T'es la vache, MDR. Génial. Hop, on a quoi d'autre? On avait. La tortue, ah oui, la tortue, il fallait de la scie grasse, je crois qu'on peut en récupérer juste devant. Oh putain, ça fait peur. Oh, ça va les tridents là? C'est le cinquième. Je suis mort le son. Ouais, non, le son du truc là, les plushies. Mais... Il est MDR. Kelp, c'est bon. Ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Turtle plushie, let's go. On a déjà 3. L'histoire d'un aventurier qui passa les 4 premiers jours de sa vie de son arrivée à faire juste des peluches. On avait aussi le... C'était quoi? C'était le squelette, non, je crois. Attends, c'est quoi? Grave. Je crois que c'était un ordinateur, j'étais en mode what the fuck. Ah, le loup. Il faut du raw beef. On a du raw beef? Non. On a que du pork chop. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, et mon lit, il est là-haut. Hop. Regardez ça, j'ai toutes mes petites peluches. Pour faire un beau dodo. T'as le loup en poupée? Non, pas encore. Mais on va faire autre chose que des poupées. On en fera d'autres plus tard. De toute façon, on va avoir besoin d'autres éléments. Tac. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de terminer nos streams? Tac. On peut commencer un petit peu à les miner, regarder ce qu'on a à la grotte. Ou alors on se laisse ça pour le début du live prochain.
Je vais regarder déjà comment on supprime les waypoints. Là, c'est. Ça va être quel mode c'est encore Keybinds. Waypoints. Ok. Waypoint screen, c'est U. Ok. Donc U. Delete. 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 Ça, c'est bon. Nickel. Oh non, je suis en retard pour le début du modpack. Bah pour l'instant, très 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 clean ce début de run, regarde ça. On a un stack et demi de fer. Je crois qu'on a même eu des diamants. Ah oui, j'ai plein de trucs là-dedans, j'avais oublié. J'étais en mode putain, mais j'avais pas des diamants. On a eu... Ah ça, je voulais voir aussi tout ce qui est pink gel et ce genre de choses. On a eu 24 émeraudes en plus, diamants. Cocoa bean. Ah, on a eu des pumpkin pie, c'est cool ça. On va se mettre, on va se faire du pain quand même, je pense, parce que ça va être une bonne source de bouffe. Et on va s'en garder un petit peu si on a des animaux juste à côté. Ouais, j'ai craft, regarde ce que j'ai craft. Par contre, le problème c'est que celui-là il fait pas de bruit, je suis un peu déçu. Mais bon, comme c'est le premier qu'on a fait, on a eu la surprise en faisant les autres, c'est bien. Hop. Ok, donc on a tout ce qu'il faut. On a... On peut se faire de la déco et tout ça. La déco, on fera ça, je pense, plus tard. Parce que là, vous voyez, on n'a pas une maison très très grande. Donc... on va aller chercher notre cheval, déjà. Hop. J'aimerais bien aussi... Est-ce qu'on peut faire les name tags? Attendez. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse. Totalement, on peut. On peut même en faire un nous-mêmes. On pourrait déjà renommer un cheval si on veut. On avait un cochon aussi dans les environs. Bah, c'est lui, je crois. Robert. Robert de son nom. Oh, call or. Je crois en fait ça donne juste un objet random, le slime terrestre comme ça. C'est quoi ce truc? C'est un opossum. Alors, ça va être l'enfer, mais on va devoir faire le faire traverser. J'aurais dû prendre une laisse en fait, je suis bête. C'est pas grave. Allez, zoom. Yup. Putain, on a une grotte ici. Je crois que j'ai Depth Rider sur mes bottes. Si je déconne pas, j'ai pris des bottes Depth Rider. On a fait une sorte de donjon bien dangereux. On a eu quelques coffres dedans et puis on a eu j'ai eu du stuff enchant. Très rentable son aventure, ouais. Hop. Non, là je regarde, on a eu un total de 172 vues sur live, ce qui est énorme. On a eu un 24 spectateurs simultanés à un moment. Donc je sais pas si c'est rentable de faire ça à chaque fois, genre de grimper sur le cheval, continuer tout droit, redescendre, continuer tout droit, redescendre. Ce sera pratique un pont, non, je pense. Ouais, exactement. Exactement ce que je disais. Faut que je fasse un pont plus tard. Hop. Ok, on a le cheval. Ouais, il est rapide hein, quand même, la vache. Bon. On a le cheval. Ah oui, par contre, il va crever sur les sweet berries, lui. On va le mettre ici. On va l'attacher à un poteau, vous savez quoi. On va se faire un petit une petite barrière. Tac. Et on va pouvoir. Hop. Je commence à fatiguer honnêtement. Je n'ai dormi que 5 heures l'année dernière. Je travaille aujourd'hui alors. Pouf. Voilà. On te fera une écurie, mon petit pote. Tac. On va le renommer avant de finir et puis ensuite on va se. On va se couper là. Hop. Vous avez un nom? Vous avez un nom pour le cheval? Donc si je me trompe pas, c'était une slime ball,
Deux papiers. Ah, est-ce qu'on va avoir assez de canne à sucre par contre? La question que les Français se posent. On doit le faire. Est-ce qu'il est retourné dans le bateau lui? Non. On avait un papillon tout à l'heure dans le bateau. Hop, ok, donc on devrait avoir assez normalement. Non, il nous en manque une. Ah non, non, il en faut deux, je suis bête. Ok, donc ça c'est bon. Donc ça. Ça, et c'était une ficelle, je crois. Yes, let's go. Donc on a tout ce qu'il faut. On a une. Oh, une bière! C'est quoi ça? J'avais même pas vu qu'on avait ça. Speed 2, Hast 2, régénération. Pendant 4 minutes la régène. Par contre, on a weakness. Ah. Moins 16 d'attaque damage. Ah oui, c'est genre parfait pour le minage en fait, juste. Genre l'exploration, le minage, mais tout ce qui est combat, ça pue là. Voilà. Ok. Desperados. Ça, c'est une DSP. Voilà, la DSP qui te donne Hast, en vrai, je veux bien la voir. Hein. Je veux bien voir à quoi ça ressemble. Tac. Hop. La petite anvil qu'on va mettre. On va mettre à côté de la porte. Donc notre cheval, comment on l'appelle? Ah, le cheval qui s'appelle Desperados. On va juste l'appeler Despé. Parce qu'on a une bière. Et voilà. Desp. Salut Despé. Ça va? Il va bien. Il a du petit blé à côté, là il se met bien. Et faudrait qu'on ramène Robert un moment, mais il fait sa vie dans la forêt, donc. Ah, il est de retour lui. Ok, bon. Alors je regarde vite fait la map. Oula, c'est pas la map du tout ça. On a des. Ah, attendez, on a des. J'ai même pas vu qu'on avait des quêtes. Attendez, on va regarder ça. Ce serait peut-être le truc à faire au début. Qui le chaman? Un trident? 100 XP? Qui le mammoth? Qui le améthyste golem? Ouh, damn! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bloc. Blackstone Holder. Require to summon the Blackstone Golem. Waouh, on a des boss et tout là-dedans, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi? Bienvenue. C'est un truc pour vous indiquer ce que vous pouvez faire comme boss. Le reste est up to you. Et faites ce que vous voulez, en gros. Merci. Et le questbook, bah du coup c'est le questbook qu'on vient d'ouvrir, donc on n'en a pas besoin. Donc en fait il y a ce petit livre là qui est sympa, il nous donne des petites infos. Ok, bah on pourra checker ça, ouais, il y a l'air d'y avoir pas mal de buzz quand même, hein. Ça a l'air assez cool. C'est Better Minecraft 1.18, ouais, la version fabrique, exactement. Hop, donc ouais, on va se terminer là, merci d'avoir regardé le stream, on va couper, hop. Regardez à quoi ressemble Blend, voilà, que vous sachiez à quoi ça ressemble. Ça fait envie. Mais là, c'est le Nether, par exemple. Le Nether est juste incroyable. J'ai trop hâte qu'on aille dans le Nether. On ira certainement au prochain live, je pense. On ira miner, on ira dans le Nether au prochain live, mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis, on se voit peut-être. Peut-être dans quelques jours, ouais. Dans 2 jours. Peut-être demain, si j'ai la foi. C'est mon jour de repos. Voilà, bon, bonne soirée à tous, salut, salut!